Johnny, Johnny. Oui, loup-garou. Voles-tu des bonbons? Non, loup-garou. Tu dis des mensonges? Non, loup-garou. Ouvre ta bouche. Ha, ha, ha. Johnny, Johnny. Oui, maman. Pour cacher quelque chose? Non, maman. Êtes-vous sûr? Oui, maman. Laisse-moi voir. Bou, bou, bou. Bou. Johnny, Johnny. Oui, monsieur fantôme. Tu joues avec la pâte à modeler? Non, monsieur. Johnny, Johnny. Oui, zombie. Manges-tu des friandises? Non, zombie. Êtes-vous sûr? Oui, zombie. Ouvre ta bouche. Ha, ha, ha. Johnny, Johnny. Oui, monsieur monstre. Vous avez peur de votre papa? Non, monsieur monstre. Vous avez été méchant? Non, monsieur monstre. Sois un bon garçon. Bou, bou, bou. Les roues du bus se tournent, 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 tournent. Les roues du bus se tournent, tournent dans cette nuit effrayante. Le fantôme du bus fait bou 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 bou. Le fantôme du bus fait bou 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 en cette nuit effrayante. La citrouille dans le bus dit bonbon friandise, bonbon friandise, bonbon friandise. La citrouille dans le bus dit bonbon friandise dans cette nuit effrayante. La chauve-souris dans le bus dit flap 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 flap. La chauve-souris dans le bus dit flap 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 dans cette nuit effrayante. Le vampire dans le bus fait hi 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 hi. Le vampire dans le bus fait hi 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 en cette nuit effrayante. La sorcière dans le bus fait ha 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 ha. La sorcière dans le bus fait ha 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 dans cette nuit effrayante. Les chats dans le bus fait miaou 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 miaou. Les chats dans le bus fait miaou 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 dans cette nuit effrayante. Les monstres dans le bus aiment la nuit effrayante, nuit effrayante, nuit effrayante. Les monstres dans le bus aiment la nuit effrayante dans le bus du monstre. Les roues du bus se tournent, 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 tournent. Les roues du bus se tournent, tournent dans la nuit effrayante. De monstres sautant sur le lit. Oui, monstres sautant sur le lit. Oui, monstres se cognent la tête. Quatre petits monstres sautant sur le lit. Un est tombé et s'est cogné la tête. Maman a appelé une sorcière et elle lui a dit: plus de monstres sautant sur le lit. Oui, monstres sautant.
Et des monstres sautant sur le lit. Oui. Monstres sautant sur le lit. Oui. Monstres se cognent à la tête. Deux petits monstres sautant sur le lit. Un est tombé et s'est cogné la tête. Maman a appelé un loup-garou et il lui a dit: plus de monstres sautant sur le lit. Oui. Monstres sautant sur le lit. De monstres sautant sur le lit. Oh oui, monstres sautant sur le lit. Oh oui, monstres se cognent la tête. Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des trois ours? Une fois dans une maison dans la forêt, il vivait trois ours qui aimaient leur soupe. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude, celle de maman était froide, celle de bébé était au coin. Je suis papa ours, je suis grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours. Nous sommes les trois ours. Les trois ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Juste à travers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Tout le monde l'appelle Boucle d'Or. Elle s'en va. C'est parti. Elle s'en va dans les bois. Oh, regardez! J'ai trouvé une petite maison. Je vais frapper, frapper à la porte. Personne n'est là. Eh bien, c'est parfait. Elle est rentrée de toute façon. Boucle d'Or ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans la maison des trois ours. Ouah, regardez par là, une table de nourriture. Super, parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Hey, y'en a un. Hey, y'en a deux. Non, regardez, y'en a trois. La soupe de papa ours est trop chaude. La soupe de maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours. Avoir mangé sa soupe, Boucle d'Or s'est sentie fatiguée et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. Les soirs. Oh, oh, oui. Celle-ci est au coin. Mais Boucle d'Or était trop lourde. Fauteuil de bébé ours et donc il s'est cassé. Oups. Maintenant qu'elle se sentait vraiment bien, elle décide de monter à l'étage pour poser sa tête dorée. Le lit de papa ours semblait être trop dur. Le lit de maman ours semblait être trop doux. Le lit de bébé ours est le dernier au final. Découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Quelqu'un a mangé la soupe du papa ours. Quelqu'un a mangé la soupe de maman ours. Quelqu'un a mangé celle de bébé aussi. L'espoir. Empouvre-moi. Ils les ont mangés tous. Quelqu'un s'est assis.
n'était pas très heureux du tout. Ils sont montés à l'étage pour trouver l'intrus. Quelqu'un a dormi dans le lit de papa ours. Quelqu'un a dormi à l'intérieur du lit de maman ours. Quelqu'un a dormi dans celui de bébé ours. Oh, laisse voir. Oh, pauvre de moi. Et là, voilà. Qui êtes-vous? Je suis Boucle d'or. Et qui êtes-vous? Nous sommes les trois ours. L'ont chassé de leur maison. Elle courut jusqu'à la maison et n'est jamais revenue. Une très bonne leçon elle avait appris. Encore une fois la maison des ours était pleine de rire. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est la fin. C'est l'heure de la présentation, Boom Buddies. Sommes-nous tous prêts? Prêts. Toutes les choses que nous voyons tous les jours sont faciles à trouver et faciles à dire. Mais savez-vous comment les épeler pour les faire sonner et s'amuser? C'est le moment de montrer, de dire nos éplombs en anglais. Moment de montrer, de dire nos éplombs en anglais. Bon travail les gars. Hey, j'espère que nous obtiendrons un plus. K est un kite, L un lemon, F comme un mousse qui s'appelle Kevin. Salut. Épeler toutes ces choses, c'est tellement amusant. Comment les épeler pour les faire sonner et s'amuser? C'est le moment de montrer, de dire nos éplombs en anglais. Nos éplombs en anglais. Maintenant épeler en anglais. Hey Wendy, qu'est-ce que tu fais? Ma petite sœur apprend son alphabet et j'ai trouvé une façon vraiment amusante de lui apprendre. Ouh! Montre-moi comment! Eh bien, ça se passe comme ça! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Maintenant, je connais mon alphabet. La prochaine fois, chante avec moi. Apprendre est tellement amusant. Où viens-tu juste de commencer? Génial! À mon tour maintenant! C'est à toi! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
avec un Z. Nous connaissons notre alphabet. Nous pensons vous serez d'accord. L'alphabet si amusant. Maintenant cette chanson est finie. Nous connaissons notre alphabet. Nous pensons vous serez d'accord. L'alphabet si amusant. Maintenant cette chanson est finie. Ok mes jumeaux chéris, il est temps de faire une sieste. Que diriez-vous d'une berceuse? Yeah. Oups. Désolée. Quand je serai vraiment grande, je vais être maman aussi et avoir mon propre petit bébé à qui chanter. Moi aussi. Pour l'instant, vous pouvez m'aider à vous entraîner à être de bonne maman. Peut-être que si nous chantons, pour endormir les jumeaux, nous les aiderons à faire de beaux petits rêves. Chut, petit bébé, ne dites pas un mot. Maman va vous acheter un oiseau moqueur. Si cet oiseau moqueur ne chante pas, maman va vous acheter une bague en diamant. Et si cette bague en diamant devient du cuivre, maman va vous acheter un joli miroir. Waouh, c'était tellement beau. Regarde, ils ont tellement sommeil. Ouais, on peut chanter pour eux, maman? Oui, bien sûr. Petit bébé, ne dites pas un mot. Maman va vous acheter un oiseau moqueur. Si cet oiseau moqueur ne chante pas, maman va vous acheter une bague en diamant. Et si ce diamant devient du cuivre, maman t'achètera un joli miroir. Maman va vous donner un ours en peluche. Si cet ours en peluche ne se sent pas bien, maman va vous montrer des souris qui dansent. Si les souris qui dansent s'enfuient déjà, maman vous dira que ce n'est pas si grave. Chute petit jumeau, maman va vous jouer du violon. Si ce violon ne veut pas jouer, maman va vous montrer la voie lactée. Si cette voie lactée brille encore très fort, elle va briller encore pour la nuit. Pendant que je chante cette jolie berceuse, quand vous vous réveillerez, je serai là, juste
reste à côté de vous sans jamais avoir peur. Oh, bonne nuit, petit bébé. Voulez-vous monter à bord? Nous allons vous montrer comment un camion de pompiers est vraiment cool. Yeah! Les roues du camion de pompiers tournent, 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 tournent. Les roues du camion de pompiers tournent, tournent dans toute la ville. Regardez ça! Le tuyau du camion de pompier fait spray, spray, spray. Spray, spray, spray. Spray, spray, spray. Le tuyau du camion de pompier fait spray, spray, spray. Dans toute la ville. Wow! Wow! Les enfants sur le camion de pompiers disent waouh waouh waouh, disent waouh waouh waouh, disent waouh waouh waouh. Les enfants du camion de pompiers disent waouh 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 dans toute la ville. Ok, on y va. Chantons encore une fois avant de rentrer tous à la maison. Les roues du camion de pompiers tournent, 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 tournent. Les roues du camion de pompiers tournent, tournent dans toute la ville. Merci à tous les pompiers. Waouh, c'est vraiment génial. Je voudrais être un pompier quand je serai grand. Moi aussi. Ha 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 ha!
filles aussi. Filles et garçons, faites du bruit. Filles et garçons, faites du bruit. Hey, le sang. Sage, sage, si funky. Sage, sage, si funky. Sage, sage, si funky. Sage, sage, si funky. Bienvenue au zoo. Bienvenue au zoo. Allons trouver les animaux amusants pour toi et moi. Filles et garçons, faites du bruit. Filles et garçons, faites du bruit. Hey, le lion. Écoutez le rugissement. Écoutez le rugissement. Écoutez le rugissement. Écoutez le rugissement. Bienvenue au zoo. Bienvenue au zoo. Allons trouver les animaux amusants pour toi et moi. Filles et garçons, faites du bruit. Filles et garçons, faites du bruit. Hey, c'est l'éléphant. L'éléphant est plus grand qu'une maison, mais il a toujours peur d'une petite souris. Bienvenue au zoo. Bienvenue au zoo. Allons trouver les animaux amusants pour toi et moi. Filles et garçons, faites du bruit. Filles et garçons, faites du bruit. Hey, le phoque. Phoque, phoque, se passe-t-il? Phoque, phoque, se passe-t-il? Phoque, phoque, se passe-t-il? Phoque, phoque, se passe-t-il? Bienvenue au zoo. Bienvenue au zoo. Allons trouver les animaux amusants pour toi et moi. Hey, qu'est-ce qui se passe, Nathan? Pourquoi tu es silencieux aujourd'hui? Eh bien, certains des enfants à l'école se moquaient de moi. Ils m'appelaient Humpty Dumpty. Vous savez quand je tombe parfois lorsque je joue au football? Ne t'inquiète pas, Nathan. On te rattrapera lorsque tu tomberas. Voilà à quoi ça sert, les amis. Ah, bien sûr! On va te remonter le moral. Que disent les enfants à l'école sur toi? Eh bien, laissez-moi le chanter pour vous. Humpty Dumpty assis sur le mur, Humpty Dumpty a fait une chute. Tous les chevaux et les hommes du roi n'arrivent pas à le mettre tout droit. Pauvre Nathan, ce n'est pas très agréable. Eh bien, garde la tête haute. Je sais comment rendre cette chanson un peu plus joyeuse pour toi. Humpty Dumpty assis sur le mur, Humpty Dumpty a fait une chute. Toute sa famille et tous ses amis l'ont aidé enfin à se relever. J'espère que tu te sens mieux. Humpty Dumpty assis sur le mur, Humpty Dumpty a fait une chute. Toute sa famille et tous ses amis l'ont aidé enfin à se relever. Oh gee, merci Carole, c'est tellement gentil. On est tes amis, on sera là toujours pour toi. C'est vrai. N'écoute pas les enfants à l'école. Nous t'aimons comme tu es. Laisse-moi chanter une chanson pour toi. Humpty Dumpty assis sur une chaise, Humpty Dumpty a fait une chute. Toutes les filles et tous les garçons le soulèvent vers le haut en faisant beaucoup de bruit. Je me sens tellement mieux maintenant. Merci. Chante-le tous ensemble. N'oublie pas, nous serons toujours tes amis. Humpty Dumpty s'est assis sur le mur. Cette fois, Humpty n'est pas tombé. Grâce à ses amis, il était plus prudent. Et du mur, il n'est jamais retombé. Merci, les amis. Humpty Dumpty s'est assis sur le mur. Cette fois, Humpty n'est pas tombé. Grâce à ses amis, il était plus prudent. Et du mur, il n'est jamais retombé. La pause est terminée, les enfants. Jouer dehors, c'était tellement amusant aujourd'hui. Allons-y. Avant de retourner en classe, il est très important de se frotter fort les mains. Mais pourquoi? Laissez-moi vous dire. Lavez, lavez, lavez vos mains, enlevez toute la saleté. Les garder toujours propres et laver, c'est intelligent. Quand on joue dehors, tous en plein air, nous devons pas oublier, les germes sont partout. On ne peut pas toujours les voir, ils aiment se cacher.
doit les laver quand nous rentrons chez nous. Lavez, lavez, lavez vos mains, enlevez toute la saleté. Les garder toujours propres, les laver, c'est intelligent. Savon, eau, bulle, rinçage. Savon, eau, bulle, rinçage. Quand on ramasse les ordures tombées par terre, nous devons laver les mains et bien les frotter. Quand nous aurons fini dans la salle de bain, nous devons pas oublier de chanter cette chanson. Lavez, lavez, lavez vos mains, enlevez toute la saleté. Les garder toujours propres, les laver, c'est intelligent. Savon, eau, bulle, rinçage. Savon, eau, bulle, rinçage. Au revoir, professeur. Merci. Au revoir. N'oubliez pas, continuez à vous laver les mains. Hé, les enfants, vous êtes bientôt prêts? N'oubliez pas de laver les mains. Quand tu marches vers l'école ou si tu prends le bus, nous devons pas oublier, les germes sont partout. Ils peuvent nous rendre malades, il faut faire attention. Ces petits microbes dégoûtants peuvent être partout. Lavez, lavez, lavez vos mains, enlevez toute la saleté. Les garder toujours propres, les laver, c'est intelligent. Savon, eau, bulle, rinçage. Savon, eau, bulle, rinçage. Si nous avons bien joué avec le chien, se dire qu'il est peut-être sale de sa promenade. Si nous utilisons les mains pour la poterie, avant de dîner, on va devoir se les frotter. Lavez, lavez, lavez vos mains, enlevez toute la saleté. Les garder toujours propres, les laver, c'est intelligent. Savon, eau, bulle, rinçage. Savon, eau, bulle, rinçage. Le dîner est prêt. Super, j'ai trop faim. Et nos mains n'auront jamais été aussi propres. Merci de nous emmener en excursion aujourd'hui, professeur. Où allons-nous aujourd'hui? Eh bien, cela dépend. Rappelez-vous ce que nous avons appris en classe au sujet du fait de dire oui à de nouvelles idées passionnantes? Oh, yeah! Eh bien, tu aimerais apprendre une danse? Oui, oui, oui! Tu aimerais visiter la France? Oui, oui, oui! Tu aimerais faire du vélo? Oui, oui, oui! Tu aimerais partir en rando? Oui, oui! Dire oui, c'est marrant! Oh, super! On construit une cabane? Oui, oui, oui! On nourrit une souris affamée? Oui, oui, oui! Allons faire un petit tour en voiture? Oui, oui, oui! On se donne tous la main? Oui, oui! Dire oui à de nouvelles choses, dire oui c'est vraiment très cool. Dire oui est pour nous le meilleur, et puis le OUI. Oui, oui à la positivité, oui aux enfants comme toi et moi. Oui à tout ce que nous voyons, oui à la liberté, oui! Oh là là, c'est génial! Dire oui me fait sentir heureuse! Nous allons patiner sur la glace? Oui, oui, oui! Et n'oublions pas d'être gentils! Oui, oui, oui! On va planter un arbre? Oui, oui, oui! On va boire une tasse de thé? Oui, oui! On pourrait faire de l'artisanat. Oui, oui, oui! On pourrait naviguer sur un radeau. Oui, oui, oui! On pourrait faire un petit gâteau. Oui, oui, oui! On pourrait même charmer un serpent. Oui, oui! Dire oui à de nouvelles choses, dire oui c'est vraiment très cool. Dire oui est pour nous le meilleur, et puis le OUI. Oui, oui à la positivité, oui aux enfants comme toi et moi. Oui à tout ce que nous voyons, oui à la liberté, oui! Eh bien, vu que vous vous amusez bien à dire oui, continuons d'essayer de faire autant d'aventures que possible. Wow! Voulez-vous faire un poème? Oui, oui, oui! Avant de rentrer chez vous? Oui, oui, oui! Tu veux balancer un yo-yo? Oui, oui, oui! Ou dans le groupe une photo? Oui, oui! Dire oui à de nouvelles choses, dire oui c'est vraiment très cool. Dire oui est pour nous le meilleur, et puis le OUI. Oui, oui à la positivité, oui aux enfants comme toi et moi. Oui à tout ce que nous voyons, oui à la liberté, oui.
Marc, peux-tu nous lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, petit frère. Celle des trois petits cochons, je l'adore, celle-ci. Moi aussi. Ok, alors rassemblez-vous tous. Trois petits cochons, trois petits cochons, trois petits cochons décident de construire une maison. Un cochon avait quelque chose à dire. Je vais construire ma maison avec du foin. Il rassemblera tout le foin qu'il trouvera et construit sa maison en un temps record. Foin, 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 je vais construire ma maison avec du foin. Le deuxième cochon pensa très vite. Je vais construire ma maison avec du bois. Elle rassemble les bois qu'elle a trouvés et construit sa maison en temps record. Bois, 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 je vais construire ma maison avec du bois. Le troisième cochon n'aime pas ses tours. Je vais construire ma maison avec des briques. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais la maison la plus solide sera la mienne. Briques, 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 je vais construire ma maison avec des briques. Soudain, loup apparu. Alors dans leur maison, les cochons ont disparu. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Ah! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! La maison de briques était solide, elle n'a pu être emportée. Vous inquiétez pas, les amis forts, nous sommes en sécurité. Le loup descendit la cheminée, mais les cochons allumaient le feu. Oh oui! Sors d'ici, méchant loup! Trois petits cochons, trois petits cochons vivaient dans une maison en briques. Cet endroit. Bien. Tu ne peux pas venir avec moi. Où un singe se balance dans les arbres. Y a un éléphant, un oiseau, des antilopes en troupeau. Viens avec moi, amusez-vous bien. La chanson de la jungle ne fait que commencer. Bientôt vous verrez le lion rugir, le rhinocéros courir et bien d'autres choses. Nous sommes dans la jungle. Te balancer d'arbre en arbre ou l'alligator nage.
jungle est définitivement mon nouvel endroit préféré. J'espère que tu as appris de nouvelles choses ou peut-être que tu le savais déjà. La jungle est un endroit étonnant où les toucans volent, où les guépards chassent. Viens par ici, amusez-vous bien, la chanson de la jungle est presque finie. Vous avez vu l'ours et le lion rugir, le rhinocéros courir et plein d'autres choses. Nous sommes dans la jungle. Wouh! Oh oui! Nous sommes dans la jungle. On est dans la jungle. Wouh! On est dans la jungle. Ok tout le monde, faites vos bagages. Nous partons pour un voyage dans l'espace. C'est un petit pas pour l'homme. Génial. Hourra. 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes les planètes, planètes, vivant dans l'espace. Chacun de nous est différent, un visage rayonnant. Nous sommes les planètes. Je suis le plus proche du soleil. Je n'ai pas de lune, mais je suis plus rapide que tout le monde. Nous sommes les planètes, planètes. Comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Vénus, aussi connue sous le nom de l'étoile du soir ou du matin. Je suis à 7000 miles. Ce n'est vraiment pas loin. Nous sommes les planètes, planètes. Comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis la Terre, tu me connais mieux. Je suis juste sous tes pieds. Tu marches autour de moi tous les jours. Je suis vraiment très chouette. Nous sommes les planètes, planètes. Comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Mars, gars, je suis rouge. Des cratères de la tête aux pieds. Je suis couvert de volcans. J'espère qu'ils n'explosent jamais. Nous sommes les planètes, planètes. Comment grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Jupiter, la plus grande et plus forte que toutes les autres. Je suis faite de gaz et ils se demandent si je m'amuse comme une folle. Nous sommes les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Saturne, regarde ça, tu aimes mes anneaux? Tu peux me voir avec un télescope et si vous aimez ce genre de choses. Nous sommes les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Uranus, waouh, quelle vue! Je suis une planète tout comme toi, je suis une jolie nuance de bleu. Regarde dans tes livres, c'est bien nous vrai. Nous sommes les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Neptune, si je peux me permettre. Je suis la plus éloignée du soleil. Je suis aussi bleue et gazeuse. Je suppose que je suis tout à fait nous comme toi. Nous sommes les planètes, planètes. Comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Nous sommes les planètes, planètes. Comment allez-vous? Grande planète, petite planète. Maintenant nous vous connaissons tous. C'est l'heure de nager dans la piscine. Jouer avec les requins, ils sont si gentils. J'aimerais que les requins dans la mer soient ici pour nager avec moi. Regardez là-bas, qu'est-ce que nous voyons? Une aventure magique en plein dans la mer. C'est une famille de requins. Ouh!
Regardez là-bas, qu'est-ce que nous voyons? Une aventure magique, en plein dans la mer. C'est une famille de requins. Wow! Regardez là-bas, qu'est-ce que nous voyons? Une grand-mère requin qui tricote pour moi. C'est une famille de requins. C'était une bonne nuit de sommeil. Oui, c'était une super nuit de pyjama. Yeah, il est quelle heure en fait? Oh oh, il est 8h30 et... L'école commence à 9h. Oh les amis, nous ferions mieux de nous préparer à partir. Vite, je sais. Suivons le leader. Comme ça, on pourra se préparer plus rapidement. Bonne idée. Alors, copie et regarde ce que je fais. C'est comme ça que nous faisons nos lits, faisons nos lits, faisons nos lits. C'est comme ça que nous faisons nos lits, si tôt le matin. C'est comme ça que nous faisons nos lits, faisons nos lits, faisons nos lits. C'est comme ça que nous faisons nos lits, si tôt le matin. Ok les amis, bon travail, les lits sont faits. Et après? Oh oh, je sais, il est temps de se faire une toilette. Waha! Suivez-moi. C'est comme ça qu'on se lave le visage, le visage, le visage. C'est comme ça qu'on se lave le visage, si tôt le matin. C'est comme ça qu'on se lave le visage, le visage, le visage. C'est comme ça qu'on se lave le visage, si tôt le matin. Hey, regardez-moi! C'est comme
comme ça qu'on se brosse les dents. Brosse les dents, brosse les dents. C'est comme ça qu'on se brosse les dents. Si tôt le matin. C'est comme ça qu'on se brosse les dents. Brosse les dents, brosse les dents. C'est comme ça qu'on se brosse les dents. Si tôt le matin. Ok les amis, nos dents ont l'air beaucoup plus blanches. C'est amusant, mais on doit continuer à se dépêcher si on veut prendre le bus scolaire. C'est ça, suivez-moi. Allons-y. Vite. C'est comme ça qu'on coiffe nos cheveux. Coiffe nos cheveux, coiffe nos cheveux. C'est comme ça qu'on coiffe nos cheveux. Si tôt le matin. C'est comme ça qu'on coiffe nos cheveux. Coiffe nos cheveux, coiffe nos cheveux. C'est comme ça qu'on coiffe nos cheveux. Si tôt le matin. C'est ainsi que nous nouons nos chaussures, nos chaussures, nos chaussures. C'est ainsi que nous nouons nos chaussures, si tôt le matin. C'est ainsi que nous nouons nos chaussures, nos chaussures, nos chaussures. C'est ainsi que nous nouons nos chaussures, si tôt le matin. Wouh! Les bus! Go les amis, vos petits! Hey, n'oubliez pas votre petit déjeuner! C'est comme ça qu'on va tous à l'école, à l'école, à l'école. C'est comme ça qu'on va tous à l'école, si tôt le matin. C'est comme ça qu'on va tous à l'école, à l'école, à l'école. C'est comme ça qu'on va tous à l'école, si tôt le matin. Tu ne trouves pas d'idée pour ta peinture? Pas beaucoup. Eh bien, il suffit de regarder autour de soi pour voir que le monde est plein de couleurs. C'est vrai, des couleurs pour inspirer ta peinture. Les couleurs, connais-tu les couleurs? Les couleurs tout autour de toi. Les couleurs, toutes les couleurs du monde. Couleur préférée, Nico? Bleu, comme le ciel au-dessus, le fond de l'océan, c'est ce que j'aime. Les myrtilles qui poussent dans les arbres. N'oubliez pas mon jean préféré. Je ne sais pas pour vous, mais j'adore le bleu. Les couleurs, connais-tu les couleurs? Les couleurs tout autour de toi. Les couleurs, toutes les couleurs du monde. Hey, regarde ça! Rouge, comme un camion de pompiers. Une pomme à manger, un cœur à aimer. Une grosse fraise et une rose. Mes amis, ma famille, ils savent tous. Tout comme le chapeau sur ma tête, j'aime le rouge. Les couleurs, connais-tu les couleurs? Les couleurs tout autour de toi. Les couleurs, toutes les couleurs du monde. Waouh, tant d'inspiration! Je vais vous dire ma couleur préférée, les gars. Vert, comme une carapace de tortue, l'herbe et les feuilles. Oh, vous ne pouvez pas dire. J'aime les alligators et les cactus. Un petit lézard vert, ça ira. La plus belle couleur que j'ai vue. Connais-tu les couleurs? Les couleurs tout autour de toi. Les couleurs, toutes les couleurs du monde. C'est mon tour! Orange, comme une mandarine, un papillon ou un bloc de fromage. J'aime les citrouilles et le basketball. Un bâton de carotte, je prends tout. Les couleurs, connais-tu les couleurs tout autour de toi. Les couleurs, toutes les couleurs du monde. Merci les gars, maintenant j'ai tellement d'idées pour mon tableau. Yeah, ce sera un
dans l'espace.